Bonjour, bienvenue au guide d'école déclassifié, édition spéciale. Aujourd'hui, on parle au sujet de la sécurité à l'école. Il y a beaucoup de choses que le nouveau étudiant devrait savoir. On va commencer avec la sécurité au stationnement. À cause que vous ne contrôlez pas, vous ne connaissez pas tous les dangers auxquels vous devez faire face à chaque journée quand vous vous rendez à l'école. Il y a des individus qui sont des conducteurs horribles et ça n'aide pas qu'ils ont probablement reçu environ 2 heures de sommeil. Soyez attentifs quand vous voyez quelqu'un qui conduit comme ça. C'est aussi dangereux au stationnement après l'école. Les élèves et les enseignants sont tous extrêmement excités d'en partir et conduisent extrêmement agressivement comme résultat. Alors soyez prudent au stationnement avant et après l'école et soyez conscient de ton environnement. Les lockdowns peuvent être très dangereux. Quand Madame Dupuis dit lockdown 3 fois, tu dois chercher une classe qui a un enseignant dedans. Ne contactez personne. Évite les places près des fenêtres. Dans le lockdown, tu dois être très silencieux. Ceci n'est pas une blague. C'est une situation dangereuse. Les enseignants vont savoir le processus d'un exercice d'évacuation incendie. Les gens doivent prendre ceci sérieusement, en espérant que c'est une situation sécure. Si tu es dans le corridor, tu dois aller au salle de bain et rester là. Des fois, c'est plus difficile pour les élèves de junior high de réfléchir sur leurs décisions avant qu'ils agissent. Par exemple, c'est crucial de se souvenir que c'est important de ne jamais sécher la classe ou l'école sans une bonne raison. Les concepts et habitudes qui se développent au junior high se continueront au high school et le reste de la vie. Avec cela en tête, c'est important d'éviter le contact avec les autres si tu es malade, donc tu dois demeurer à la maison des fois. Si tu viens à l'école malade et les autres deviennent malades à cause de toi, les gens ne seraient pas contents et ils vont t'en vouloir. Pendant votre temps dans le junior high, ça peut être très compliqué et difficile de naviguer le couloir durant le temps actif. Comme vous pouvez voir, les étudiants les plus petits ne sont pas capables de marcher facilement dans les corridors quand les adultes et les élèves de high school sont tout autour. Marche le plus vite que possible et évite les gens plus âgés car ils sont très impatients.
En addition, n'êtes pas dans le milieu des couloirs et n'êtes pas dans les escaliers, où les plus vieux vous bousculerez. J'espère que vous avez appris beaucoup au sujet des dangers des couloirs, car j'en suis sûr que les corridors à votre école ne sont pas si hasardeux. À l'école, on a beaucoup de technologie qui est disponible à tous. Mais pour débuter, tu dois savoir comment utiliser l'Internet de manière prudente. Utilise les sites de médias sociaux avec du précaution. Et ne associez jamais avec quelqu'un que tu ne connais pas, car il peut être dangereux ou un prédateur sous fausse identité qui va en utiliser pour t'entraver. Où es-tu? Nadia?